Salut, c'est Laurine et Mickaël. Nous sommes arrivés à Jaipur hier matin et nous avons fait pas mal d'heures de route. On a fait quoi ? On a fait 3 heures ? 2 heures. 2 heures de route, voilà. Ensuite, nous sommes arrivés dans la famille de notre chauffeur privé. Donc nous avons rencontré sa femme et ses deux enfants. J'ai également participé à un cours de cuisine avec sa femme. On a préparé un dal, c'est-à-dire un plat avec des légumes et surtout des lentilles. Et on s'est régalé. On a également joué à un petit jeu de société entre nous. Puis on a passé une très bonne soirée en leur compagnie. Préparation d'un dal, des oignons, du piment, tomates. Yeah. Et de l'huile. On y ajoute du sel, du curcuma et de la coriandre. On y ajoute des lentilles de masure. Il faut bien les rincer avec de l'eau avant. Alors on va rajouter de l'ail, du piment et des oignons. Ainsi que des poivrons. Du coup, ce matin, on en a profité pour faire la visite de Jaipur avec l'un des plus grands forts. Et là, on est actuellement dans un mémorial où on peut voir différents monuments, en tout cas en l'honneur de différentes personnes qui sont plus ou moins importantes. On a eu aussi l'occasion de voir ce matin des éléphants. Alors les personnes montent à dos d'éléphants, on est un peu contre ça, du coup on l'a pas fait. On vous mettra quelques vidéos, on voit des éléphants qui sont peints, qui sont juste magnifiques. Le château est également très joli, alors moins bien entretenu de l'intérieur que toujours de l'extérieur. L'extérieur sont souvent très beaux, les intérieurs sont un peu moins bien. Et puis bon, on va continuer notre visite de Jaipur à l'aide de notre chauffeur parce que c'est vraiment sa ville, il habite ici. Donc effectivement, hier on a passé la journée dans sa famille. Il a pu également nous montrer la vache qu'il avait, il nous a montré également comment on pouvait faire de la cuisine avec lui. Et bien sûr, c'est une ville qui est très végétarienne, un peu comme Pushkar, là on était juste avant. Et donc, il va falloir qu'on se mette un petit peu à ce pli-là pendant quelques jours.
spécialité de Jaipur. Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sarvartha.